Un mot encore sur ce sujet, mais un mot important. Pourrons-nous ou devrons-nous, afin d'être plus efficaces, nous appuyer sur les ressources extraordinaires des outils numériques ? Un consortium européen a lancé un travail devant permettre la création de l'application Stop Covid, dont l'utilité ne peut s'envisager que de façon complémentaire à ce que je viens de décrire. Complémentaire parce que les enquêtes sanitaires que j'ai décrites, qu'elles soient physiques ou téléphoniques, sont vitales, mais présentent une faiblesse. Elles se heurtent parfois, dans les centres urbains, à l'impossibilité de reconstituer les chaînes de transmission dans les lieux les plus denses, et notamment dans les transports en commun. Difficile de prévenir celui qui a partagé votre rame de métro à 7h46 sur la ligne 12. Vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas, et la RATP ne connaît ni l'un ni l'autre. C'est l'objet du projet Stop Covid, qui permettrait aux personnes qui ont croisé une personne testée positive d'intégrer un parcours sanitaire, sans bien entendu avoir aucune information sur l'identité de la personne croisée. Un grand nombre de responsables politiques, sur tous les bancs, le président de l'Assemblée nationale lui-même, m'ont fait part de leur interrogation sur ce type d'instrument, sur les questions que son utilisation ne manquerait pas de poser en termes de liberté publique et de libertés individuelles. Ces questions, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, me paraissent fondées. Elles doivent être posées. Elles doivent être débattues. Et j'ai même le sentiment qu'elles doivent faire l'objet d'un vote. Pour l'heure, compte tenu des incertitudes sur cette application, je serais bien en peine de vous dire si elle fonctionne et comment elle fonctionnera précisément. Je ne doute pas que les ingénieurs travailleront d'arrache-pied et réussiront à faire fonctionner ce projet. Mais dès lors que ça n'est pas le cas, il me semble, pour tout vous dire, mesdames et messieurs les députés, que le débat est un peu prématuré. Mais je confirme mon engagement. Lorsque l'application en cours de développement fonctionnera et avant sa mise en œuvre, nous organiserons un débat spécifique suivi d'un vote spécifique. Pour procéder au déconfinement, nous allons donc partout protéger, tester et isoler. Mais comme je vous l'indiquais, nous allons procéder progressivement et en différenciant en fonction des territoires.